Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Samba Samba, l'émission qui vibre au rythme de vos vacances. Durant toute cette période, Samba Samba t'offre la liberté de parler de tes vacances en appelant en direct, en laissant tes messages vidéo ou audio via Skype et FaceTime ou sur les réseaux sociaux. Tout cela dans la joie et la bonne humeur. Samba Samba, partageons le bonheur. J'ai la joie de présenter cette émission avec deux ravissantes jeunes femmes. Juliette et Denise. Bonsoir, bonsoir Denise. Bonsoir Roger, Samba Samba. Samba Samba. Bonsoir à tous. Nous vous accompagnerons tout au long de ces vacances avec cette nouvelle, ce nouveau divertissement. Bien un sûr. Seul numéro, le 02 31 77 77 pour nous envoyer des messages audio, vos dédicaces, parler de vos vacances, etc. Exactement. Et vous pouvez également nous contacter via Skype, canal 7, @samba samba ou encore la page Facebook. Bien sûr, Samba Samba. Samba Samba. Alors on peut dire quoi? Partageons le bonheur. Bien évidemment. Salut à toi, Samba Samba. Salut, Juliette. Comment tu vas? Comment tu vas, Juliette? Ça va, Samba Samba. Eh oui. Alors c'est l'occasion. Alors on est déjà très heureux. Je suis très heureux déjà de vous revoir. Et on aimerait aussi remercier les téléspectateurs qui ont été nombreux pour cette première à envoyer des messages, à appeler au 02 31 77 77, mais aussi à nous contacter via Skype. Canal 7, @samba samba. Ou encore la page Facebook Samba Samba. Exactement. Le temps pour moi, effectivement, de vous poser la question du jour. La question du jour, quel souvenir gardes-tu de ton premier amour de vacances? Quel souvenir gardes-tu de ton premier amour de vacances? On attend vos réactions en appelant le 02 31 77 77 ou vous pouvez nous contacter via Skype, canal 7, @samba samba ou via encore la page Facebook Samba Samba. Samba. Tu nous en dis plus? Mais bien sûr, j'aimerais savoir alors, Juliette, oui, ce premier amour, quel gardes-tu de ce souvenir de ton premier amour de vacances? Bon, que dirais-je, voilà. Bon, sois pas timide, dis-nous tout, on veut tout savoir. Oui, on veut tout savoir. Eh oui, c'est évident. Déjà, tu avais quel âge? 17 ans. Escroquerie quand tu nous tiens. J'avais 17 ans, on s'est rencontrés à Congo, après le pont de Congo. Voilà. À Congo, donc à Libreville, hein. C'est non loin de Libreville, c'est bien ça? Oui, non loin de Libreville, à Prantoum en fait. L'extraordinaire, c'est parce qu'on était des Bangando et voilà, on aimait la danse, j'aimais les jeux de dames et tout, et j'ai fini par tomber amoureuse, avoir un faible, et c'est là où j'ai rencontré mon premier amour. Et lui, il avait on n'a pas fait cracra boum boum. Ah, ah quand non, même. Non, on n'était pas là pour le voir. Non, je vous rassure, Roger, on n'a pas fait cracra boum boum, mais par contre, après notre rencontre, on s'est perdu de vue complètement, et il était plus jeune que moi, il avait 15 ans, et moi, j'avais 17 ans. D'accord, tu les prends au berceau? Non, pas de berceau, c'est la même génération, Roger. Mais alors, il faut rappeler donc aux téléspectateurs que vous pouvez faire, comme Juliette, lors de son premier amour de vacances, appelez le 02 31 77 77 ou ils peuvent nous contacter via Skype. Canal 7, @samba samba. Exactement, il y a également la page Facebook Samba Samba. Et toi? Quoi? Ton amour, dis-nous ton premier tout. Amour franchement, de non, tout, non, en toute sincérité, je m'en souviens pas. En toute sincérité, non, la gauche ou la droite? Non, la gauche. Non, bon, non, en toute sincérité, je m'en souviens pas, mais pour le peu que je me souvienne, j'ai quand même de petites bonnes vibes qui circulent. D'accord, on en saura peut-être plus tout à l'heure. Oui. On en garde sous le coude. Voilà. Mais il faut tout de même rappeler aux téléspectateurs que Samba Samba, c'est aussi un guide touristique, un agenda, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances ou pour ceux qui ne savent pas quoi faire durant les vacances, Samba Samba est là. Oui, c'est une plateforme qui vous permet effectivement de découvrir les différentes destinations, en tout cas, qu'on va vous proposer, bien entendu. C'est la raison pour laquelle tu as choisi une destination. Moi, le Cameroun. Le Cameroun. Oui, j'y étais et franchement, je propose à tout le monde d'y aller. D'accord. Ils sont assez, ils sont super chauds. Ouais. C'est du lundi au lundi. Ah bon? Et l'ambiance est au beau fixe, on va dire ça comme ça. Après, ce sont nos cousins, donc les Gabonais et les Camerounais sont des frères, on va dire. Oui. Donc, côté fête. Alors, donc, tu as aimé à cause de la fête alors? Oui, parce que c'est des vacances. Ah, ce sont des vacances. C'est des vacances. Exactement. Alors, Denise, on regarde ce voyage, ce petit tour du Cameroun. Douala ou Yaoundé? Ah, écoute, on va le découvrir. Il n'y a pas de problème. C'est parti.
ce Cameroun. T'as vu comment Cameroun, c'est beau? C'est magnifique. Il y a des cascades, il y a des beaux paysages. Qu'est-ce que t'en penses, Juliette? Oui, c'est très beau. Puis surtout la vue de la mer, c'est très beau. Mm-hmm. Eh oui, très les beau. Différentes chutes et tout. Non, je trouve ça vraiment super. Je conseille ouais. ça à tous nos téléspectateurs. Le Cameroun, c'est vraiment une très belle destination. En fait, c'est Popo, je dirais, en fait. Popo. Roger, tu connais Popo? Non, je ne sais pas. Non, mais tu connais Popol, mais c'est pas la même chose. Mais non, c'est Popo. Ça veut dire quoi, c'est Popo? Non, mais Popo, ça veut dire c'est très bien, c'est bien et tout. C'est un langage un peu gabonais, tu vois. En plus, ce sont les vacances, sans basse. Très bien, je sens qu'avec toi, je vais découvrir un nouveau vocabulaire. Ah, ça, je t'assure, hein. Tu ne vas pas t'ennuyer. Génial. Ah, on a un appel. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle Freddy. Salut Freddy. Samba. Salut. Samba. Freddy. Alors Freddy, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de France, plus précisément au Havre, en Normandie. D'accord, le Havre, le fameux port du Havre. Alors, comment se déroulent tes vacances, Freddy? Bah, mes vacances se déroulent très bien. Et mes vacances commencent à peine, là, parce que j'ai terminé mon stage, j'ai fait un rapport de stage. Et ça s'est très bien passé. Donc, du coup, mes vacances commencent très bien. Et si ça se passe très bien encore dans quelques jours, je viens vous retrouver au Gabon. D'accord, très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à faire au Havre? Qu'est-ce que tu peux nous dire du Havre? Alors, il y a des soirées, il y a des événements, il y a des expositions. Pardon? Qu'est-ce qui se passe de bon au Havre en termes de divertissement? Parce que c'est l'été en ce moment. Il y a du soleil, on attend les 35 degrés. Wow. Il y a le port, il y a la plage, il fait beau, tout le monde est dehors, c'est open bar. Aujourd'hui, c'est la fête nationale du 14 juillet. Exactement. Donc, il y a tout le monde, quoi. Il y a les gens qui sont dehors de partout un peu, donc il fait vraiment beau vivre dehors aujourd'hui. D'accord. Cet été, particulièrement. Très bien, très bien. Mais alors, et qu'est-ce qu'il y a à voir en particulier au Havre pour ceux qui aimeraient se rendre dans ta ville? Alors, le Havre, la ville du Havre est fameuse à cause de son port. Le Havre, c'est le deuxième port de France et le premier port céréalier d'Europe. Alors, le Havre, il y a le port, il y a la plage, il y a des logements très anciens parce que le Havre, c'était une ville qui avait été bombardée au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le Havre, c'est comme un petit musée, on va dire. Donc, le Havre, c'est une ville... une ville antique quand même de France et une ville très importante, historique aussi. D'accord. Alors, dis-moi, Freddy. Freddy, tu m'entends? Oui. Alors, dis-moi, Freddy, tu as peut-être des messages à délivrer à tes amis, à la famille, qui se trouvent sans doute au Gabon ou ailleurs. Profites-en. Bah, oui, pourquoi pas. J'ai le fait de depuis le Gabon, plus précisément à ma chérie, à mon papa que j'adore, à mes frères et sœurs et à toute la population gabonaise. Très bien, le message est passé. Si je te dis Samba. J'ai dit Samba aussi ou quoi? Merci Freddy, passe de très bonnes vacances. À bientôt. Merci, et de gros bisous au Havre. Merci, bisous. Merci. Alors, tout comme Freddy, vous pouvez nous contacter au 02 31 77 77. Et sur Skype, bien sûr. Bien sûr. @samba. Sinon, vous avez la page Facebook Samba. Exactement. Magnifique. Et il y a cette fameuse question du jour qu'il ne faut pas occulter, bien entendu. C'est quel souvenir gardes-tu de ton premier amour de vacances? Oui. Alors, appelez massivement au 02 31 77 77. Pour vous, bien sûr, nous donner toutes vos impressions, savoir un petit peu, on veut découvrir avec vous les petits secrets des vacances. Exactement. Alors, si on changeait de destination, la première était le Cameroun, superbe endroit. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas où aller, on a comme première destination le Cameroun. Mais cette fois-ci, nous allons en Afrique du Sud. Regardons et on en parle après. Thank you.
Super, Afrique du Sud. Alors, l'une d'entre vous est-elle déjà allée en Afrique du Sud, Juliette? Non, mais j'ai des frères qui sont là-bas, des sœurs, des amis, des connaissances qui sont là-bas. D'accord. Oui, et j'ai entendu parler, apparemment elle doit être belle, cette ville, et voilà. Quoi donc, Jobourg, oui, mais l'Afrique du Sud, superbe pays, non, bien entendu. Bien entendu. Moi, je suis allé plusieurs fois, d'ailleurs, c'est une de mes villes préférées. Ah ouais? J'essaie d'y aller de temps en temps, voire une fois par an. Jobourg, Pretoria, et là, j'aimerais bien aller à Cape Town, parce qu'en fait, je suis jamais allé à Cape Town. Ouais. Et donc, j'aimerais, mais c'est juste magnifique. Et puis, il faut dire que pour nous, Gabonais, on n'a pas besoin de visa. Donc, c'est déjà un plus. Ouais. Je trouve que c'est vraiment génial. Je conseille à tout le monde d'y aller parce que, franchement, comme on a l'habitude de le dire, l'Afrique du Sud, c'est un petit peu les États-Unis d'Afrique. Mm-hmm. Donc, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour. Cape Town, Jobourg, Pretoria. Et en plus, ça développe la langue parce qu'en plus, tu apprends des nouveaux mots en anglais. Bien sûr. Voilà, tu essaies de... Bah, n'est-ce pas? Alors, so, do you speak English fluently? So-so. Oh, like so-so, coco. Écoutez les amis, là j'ai un message. Eh oui, un message qui dit « Bonsoir, moi je suis un habitant de Mwanda. J'ai regardé votre émission de Samba Samba et j'ai apprécié. » Il n'a pas mis son nom. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci de nous suivre. En tout cas, continuez à nous envoyer des messages. Le 02 31 77 77 ou vous pouvez nous contacter via Skype. Denise. Canal 7, @ Samba Samba. Ou notre page Facebook. Samba Samba. Exact. Tout le monde n'a pas la possibilité, il faut le savoir les filles, tout le monde n'a pas la possibilité de partir en vacances. Donc chacun a ses habitudes. Pour certains, les vacances se résument très souvent à rester à la maison et à jouer. Eh oui, il y a des férus de jeux vidéo. Jeux vidéo? Ah oui. Moi, mes neveux sont... Ouais. Ah, il y a des férus de jeux vidéo. Et là, effectivement, il y a un jeu. Ah, écoutez, là, on va y revenir, parce qu'on a quelqu'un en ligne, David. Allô, David? Oui, bonsoir. David? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, David. Samba. Samba, samba. Samba, samba, David. Bonjour à vous, comment... Samba, samba. Comment vas-tu, David? Très bien, et vous? Ça va, merci, tu peux nous tutoyer, c'est gentil. Ouais. David, tu nous appelles d'où? Tous ceux qui regardent, tous les gens de l'émission aussi, bonjour à tout le monde. C'est gentil. David, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Lille. De Lille? Oui, c'est ça. Ah, la ville de Martine Aubry. C'est ça, exactement. Ben, bonne fête à vous, c'est le 14 juillet. Et bonne fête nationale à tous les ressortissants français, à nos amis français qui sont au Gabon ou ailleurs. Bonne fête à vous, 14 juillet. Merci. Alors, David... Il y a beaucoup de choses à Lille, la fameuse braderie de Lille, alors, qu'est-ce qui se passe à Lille durant les vacances? Qu'est-ce que tu fais durant les vacances à Lille? On veut tout savoir, dis-nous tout. Durant ces vacances, déjà, comme il fait très chaud, on essaye de sortir, de se balader un peu, et j'essaye de voir mes amis qui ne sont pas pouvoir prendre l'air aussi, et sinon, à part ça, bah, je fais de la musique, je compose. D'accord, donc on a un compositeur de musique, c'est génial, mais... Qu'est-ce... Non, David, tu vas pas me dire, une ville comme Lille, une grande ville telle que Lille, il y a quand même des choses à faire, en termes de groove, en termes d'exposition, en termes de spectacle, en termes de loisirs, dis-nous tout. Et la boîte afro, il y a quand même des boîtes afro, en plus on n'est pas loin de Paris, si je ne m'abuse. Et vous êtes carrément au Carrefour, vous n'êtes pas loin de la Belgique également. On rencontre des gens, il y a plusieurs points, il y a même des expositions puisque tu es... Et il y a la braderie qui va arriver en août, il y aura 2 millions de personnes juste pour ça. Donc il y a pas mal d'événements là. D'accord. Est-ce qu'il y a une boîte afro qui donne? Pardon? Est-ce qu'il y a une boîte afro qui cartonne à Lille?
Alors, il y a une boîte afro qui s'appelle le B-Floor. C'est une boîte qui met de la musique hip-hop, de la musique jamaïcaine, un peu de la musique africaine aussi, bien sûr. Et beaucoup de la communauté africaine ici se retrouve là-bas, souvent. Sinon, il y a des boîtes même complètement afro. D'accord. Où là, on peut passer la soirée à écouter de la musique africaine, à se retrouver un peu dans l'ambiance du bled. Il y en a aussi. D'accord. Est-ce que tu as un message à faire passer, David ? Je sais pas, HBD, à peut-être à ta petite amie, peut-être un message d'amour. Profites-en. Alors, d'abord, un joyeux anniversaire en retard à maman Joël, et ensuite une dédicace à Manu, qui regarde l'émission, à Bilal et à tous ceux qui le voient en ce moment. D'accord. Mais dis-moi, David, quel souvenir gardes-tu de ton premier amour de vacances ? Alors, je garde le souvenir qu'elle était très jolie, mais j'étais trop timide pour parler, donc j'ai jamais pu lui dire avant la fin des vacances. Oh, c'est pas possible. Oh, il n'y a pas des mouchoirs pour David ? Oh, c'est mignon. Oh, c'est vraiment mignon. Oh, c'est mignon. Mais depuis lors, tu t'es rattrapé, David, j'en suis sûr. Ben, pas avec elle, on s'est pas retrouvé, mais bon, j'ai connu d'autres amours entre temps. Mais alors profites-en pour lui faire une dédicace à cet amour perdu, à cette rencontre ratée. Merci David, on te souhaite de passer de très bonnes vacances. Samba, samba David. Ciao, ciao, on te fait de gros bisous, très bonnes vacances à toi à Lille. Merci David. Alors, tout comme David, vous connaissez le numéro, le 02 31 77 77. Vous pouvez également nous contacter, Denise ? Bah, via Skype. Exact. Comme David l'a fait. canal7@sambasamba. Exact. Il y a également la page Facebook, Juliette. Samba, samba. Oh, je suis triste pour David quand même, attends. son premier comme ça, raté et tout, quoi. Ah, que veux-tu ? Mais il s'est bien rattrapé, j'en suis sûr. Alors, je vous parlais tantôt, avant l'appel de David, effectivement, de ces personnes qui aiment les jeux vidéo. Donc les férus de jeux. Alors pour le coup, vous avez ce fameux jeu. Ce jeu qui s'appelle The Witcher 3. Ah, c'est le dernier jeu en plus. Exactement, le jeu événement. Un jeu événement à ne pas manquer. Regardez et on en parle après. Ok. Ils étaient nombreux, mais il n'en reste guère. Chasseurs, nettoyeurs de la vermine du monde, les sorceleurs, les ultimes machines à tuer. Parmi eux, une légende, celui qu'on appelle Geralt de Rive, le loup blanc. Vous revoilà, sorceleur. Votre Majesté impériale. Elle est de retour, Geralt. Après toutes ces années. Vous êtes sûr que c'est bien elle ? Oui. Et elle est en danger. La chasse sauvage la poursuit, je le sais. Vous devez la retrouver. Et ensuite, que ferez-vous ? Je lui donnerai ce qui lui est dû. Déchaînera le chaos. Chaque choix amènera un mal plus grand.
Eh oui, The Witcher 3, super jeu vidéo. Roger et Juliette, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les jeux vidéo deviennent de plus en plus réels et en émotion, c'est juste très très fort. Hein. Tu as l'impression, on a l'impression en fait de voir un film. Hein. Oui, carrément. C'est du lourd. Donc, The Witcher 3, The Wild Hunt, la chasse sauvage, qui est sorti le 14 mai dernier. C'est en fait l'histoire en fait d'un chasseur de monstres. Voilà, c'est à l'époque médiévale, pour ainsi dire. Voilà, super. Jeux vidéo. Les fans sont contents, c'est sûr. Oh que oui, c'est un événement. Alors là, c'est véritablement un événement. Mais il est disponible sur PS3, PS4, Xbox 360 et sur PC. Voilà. Sur PC. Et sur PC également. Mmh. Autour là, qui joue aux jeux vidéo? Moi, de jeux vidéo. Moi non, mais de temps en temps. Moi c'est la Wii. Ah toi c'est la vie. Oui. Hein. Quoi, tu joues au tennis? De temps en temps, j'ai un pote qui m'a appris le golf, des trucs comme ça, ou la danse. Mais moi par contre je joue un jeu, les Sims. Je connais les Sims. Ouais. Ça aussi assez actuellement. Attends, réel, ça ressemble à Juliette ça. Mais non, je joue les Sims et puis voilà, il y a la vraie vie dedans. On n'a pas besoin de faire. Moi je pense que le concept c'est créer un monde ou je sais pas. Oui, créer un monde et puis non seulement ça, développer des performances, aller à l'école, tout ça, et puis à la fin tu deviens riche, tu fais des enfants. En fait c'est comme la vraie réalité, vie, la vraie vie. Alors ce sont les Sims 3 super naturels. Ah. Je sais pas si tu as entendu parler. Si je t'ai dit, j'étais Wanda de Wanda de ce jeu, je t'assure. Ah, non mais ça m'a vraiment tué. Je pouvais passer toute une journée, je suis devant le PC entre jouer à ce jeu. Toute une journée de vacances, ouais. Hein, j'espère. Oui, parce qu'il faut quand même travailler. Non mais mes neveux ont pris le relais. Voilà, le relais. Okay. D'accord. Bon, après c'est tout le monde, hein. Tout le monde, franchement. Je pense qu'à ce niveau-là, les jeux vidéo, on parle plus d'âge hein, maintenant. Oui, je pense que ouais, c'est vrai. Tout le monde adore ça. Et d'ailleurs, je fais une dédicace à Cinch parce que je sais qu'il adore les jeux vidéo. Ah, ça c'est sûr. Écoutez les filles, j'ai un message d'Ornella. Ornella, bonsoir, c'est Ornella de Lambaréné. Je kiffe votre émission depuis hier, me semble-t-il, et j'ai apprécié. Samba, samba. Alors, on te fait de gros bisous, Samba, Samba. De gros bisous donc à Ornella de la part de l'équipe de Samba, Samba. Alors, faites comme Ornella. Contactez-nous au 02 31 77 77. Ou encore sur Skype, canal7@SambaSamba. Ou Facebook, Samba, Samba. Exactement. Et la question du jour, n'oubliez pas, quel souvenir gardes-tu de ton premier amour de vacances? Mais tu nous as pas tout dit. C'est bon, en fait, Denise. Eh oui. Ah non, vous êtes curieux. Cache-cache. Hein. Non, c'est bon, on en parle après. Mais non. En off, tranquillement et tout. Parce qu'elle est assez longue, mon histoire. Il faut tout nous dire. Hein. Non, tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. Bah écoutez, on a voulu vous faire partager cette vidéo hein, qui tourne beaucoup sur le net. Oh. Et ça devrait te plaire, Denise. C'est vrai? Oh oui, on regarde. Toi qui es non, j'aime trop. N'est-ce pas, c'est pas mignon ça? Non, en plus c'est sur Beyoncé et tout. C'est sur Beyoncé, c'est la bien. Mère et la fille, ta oui, mère, oui, ta fille. Oui, attends. c'est la fille qui dirigeait là. Bah ouais, elle connaît la chorégraphie par cœur. Bah attends. Le pire, c'est qu'en ce moment, justement sur Internet, ce sont les kids, donc les enfants, qui font vraiment parler d'eux en termes de danse. Hein. Exact. Ouais, franchement. Ah, on a Marcel et Michel de l'UOB. Marcel, Michel de l'UOB. Skype ou Skype, je pense, ouais. Bonsoir les filles.
Salut les filles, samba samba. Samba samba les filles. Bonsoir. Ça va les filles, samba samba. Alors vous nous appelez de Libreville, vous êtes à l'UOB, c'est bien ça? Ah, on entend très mal. Alors les filles, vous êtes en vacances? Est-ce que vous êtes en vacances? Ben, on va essayer de les rappeler, comme la connexion est mauvaise. Si possible. Voilà, on va les rappeler. On va les rappeler. Le temps pour moi de vous donner cette information, vous pouvez toujours nous contacter au 02 31 77 77 via Skype également. Canal 7, arroba samba samba. Bien sûr, et la page Facebook samba samba. Exactement, je rappelle encore la question du jour. Quel souvenir gardes-tu de ton premier amour de vacances? Alors Denise, montre-moi ta danse. Aujourd'hui, alors je t'ai concocté un truc qui va te plaire. Ah bon? Ouais. Alors la danse s'appelle Shoki. Shoki. Je t'en dirai plus juste après, attends, regarde. Ok. Enfin, c'est la Nae à l'africaine, on va dire. Et en ce moment, il y a une petite polémique sur Internet parce qu'en fait, les Ivoiriens veulent arracher le concept et eux, ils appellent ça en fait la sobregaz. La sobregaz. Voilà. Et donc, ils sont en train d'essayer de s'arracher le concept. Donc, c'est un petit peu un Nigeria vs Côte d'Ivoire. Mais tu sais, la Côte d'Ivoire est un petit peu réputée pour. Mais on connaît plutôt les Ivoiriens plutôt par rapport au coupé décalé ou encore au. Comment ça s'appelle? Au Zouglou, voilà. Mais pourquoi cette polémique? Bah, je sais pas. Après, le Nigeria est très tendance en ce moment un petit peu partout. Donc, je pense que chacun veut essayer de tirer un peu la couette de son côté. Et voilà quoi. Donc, Shoki, c'est une danse qui se pratique beaucoup en ce moment en boîte de nuit. D'accord. Donc, pour les vacanciers, je vous conseille cette vidéo pour essayer d'un petit peu apprendre les mouvements de base, pouvoir un peu épater les copains. Eh ben, je sens que. Ouais, ça en donne. Boîte. Oui, non, ça donne. Eh bien, on a un appel Skype. Ah. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Samba, samba. Samba, samba. Samba, samba. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Flore Agnel. Flore? Agnel. Flore Agnel. Bah écoute, Flore Agnel. Ah, coucou. Samba, merci samba. D'être avec nous. Alors, Flore Agnel, tu nous appelles d'où? Alors, je vous appelle de Maryland, depuis les États-Unis, oui. Ah, du Maryland, c'est génial. Alors, dis-moi, quel temps il fait dans le Maryland? Ah ben, je suis en vacances. Et il fait quel temps là-bas? Pardon? Il fait quel temps dans le Maryland? Oh, en ce moment, nous sommes en été, il est 13h40 minutes ici. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire durant tes vacances? Fais-nous rêver. Dis-nous un peu ce que tu comptes faire durant tes vacances. S'il te plaît, tu peux répéter la question, j'ai pas bien saisi. Oui, je voulais savoir ce que tu as l'intention de faire durant tes vacances. Ah, non mais écoute, je compte bien profiter de l'été, profiter du soleil, découvrir les coins, quoi. C'est rien d'assez spécial, oui. Ok, mais alors, j'aimerais tout de même savoir, qu'est-ce qu'il y a à voir, à découvrir dans le Maryland? Waouh, déjà du côté des centres commerciaux, il y a pas mal d'activités et tout. Et au mois d'août, j'aimerais bien, disons, prendre part à un événement. Miss Africa USA, oui, ce sera génial. Mais dommage que le Gabon n'ait pas été représenté. Ah, c'est dommage, mais ce serait bien que tu puisses filmer et nous rappeler. Et poster cette vidéo, ce serait génial. Ouais, ce serait trop génial. Oui, pourquoi pas. Bah écoute, on compte sur toi. Mais alors, dis-moi, j'aimerais savoir, quel souvenir gardes-tu de ton premier amour de vacances? C'était ma visite en Caroline du Nord, oui. D'accord. Okay. Alors dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé en Caroline du Nord?
Non, j'ai rencontré des personnes très très sympas. Alors là, vraiment super sympa. Ah oui, tu as les yeux qui brillent. Ah, tu as les yeux qui brillent, rien qu'en en parlant. Ok, d'accord, ça marche. Alors, comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Ce bel âtre. Pardon? Allô? Oui, comment il s'appelait? Cet amour de vacances, comment il s'appelait? Qui il? Cet amour de vacances, comment il s'appelait? Alors, je... Ah, je pense qu'on a un problème de connexion. Allô, allô? Allô, oui. Tu m'entends? Oui, là, j'entends très bien. Ok, je disais, comment s'appelle cet amour de vacances? Comment il s'appelait, cet amour de vacances? Elle veut pas le dire. Mon amour de vacances, alors là, vraiment, je dois être sincère, hein, c'est Jésus. De jour en jour. Non. Ah, d'accord. Oh, magnifique. Je suis sincère. Alléluia. Je suis sincère. Ok, magnifique. Donc, cette jeune demoiselle de bonne famille est en train de nous dire... De jour en jour, je découvre... Non, c'est juste... Arrêtez, mais c'est sérieux en plus. Mais on te croit. Oui, mais alors, bien sûr. Alors, tu as peut-être un message à faire passer? Non, peut-être, je sais pas, un message à tes amis, une petite dédicace. Ok, oui. Je vais d'abord faire un big up à mon maman, oui, madame Johanna. Et je fais un big up à tous les membres de l'Église du Salut, ainsi qu'à mes frères et sœurs qui sont du côté de l'Université des sciences de la santé. Surtout à la génération Adrenaline Family. D'accord, super. Alors, on compte sur toi pour faire passer le message. Il y a une émission en ce moment à Libreville, au Gabon, qui s'appelle Samba Samba. Alors, on compte sur toi pour faire passer le message. Si je te dis Samba, tu me dis... Samba. Samba, Samba. On te fait de gros bisous. Bonnes vacances à toi. Merci, Samba, Samba. Alors, ce fameux Choki. Bah, écoute, tu l'as vu, t'as vu comment c'est. Toi, ça t'arrive de danser quand même pendant les vacances, un petit peu, quand tu sors? Ah, bah écoute, ça m'arrive de m'amuser, mais je ne voudrais surtout pas voler la vedette à qui que ce soit, notamment à une grande danseuse comme toi. Bah non, après, mais comment c'est... ça se fait, le Choki? Bah, tu viens de le voir, là. Oui, mais c'est toi, l'expert. Non, ne fais pas ça. Bah, tu viens de faire une démonstration. Non, là. Pas du tout. Pas du tout. Non, après, c'est pas plus professionnel, c'est pas, c'est une danse que tout le monde peut faire, hein. C'est-à-dire, t'es en boîte, tu es autour d'un verre, tranquillement, le son passe, et puis, dans le moment, c'est ça. Moi, je pense que je peux faire. Si. Et toi, tu es une danseuse de Choki. Tu connaissais déjà cette danse? Par contre, non, mais non, je dirais non. Oui, carrément ou non. Pas. Non, mais non. Sur les yeux. Non. Non, mais Juliette, arrête. Tu me parles de la cham quand même là. Non, oui. Je vais m'en sortir. Ça, c'est clair que la cham, c'est gabonais, oui. Et gabonais. Mais là, mais Choki. Choki, c'est du Nigeria. Non, je connais pas. Et bon, la Côte d'Ivoire veut se l'arracher un peu. Mais voilà, ouais. C'est l'Afrique autrement. Quoi. De toute façon, Samba Samba alors. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même. Oui, c'était génial, mais comme d'habitude. Oui, sympa. Hein. Attends, toujours des petites trouvailles. J'ai une question, attends. Donc, cette danse, on la danse torse nu, comme ça? Bah non. Parce que j'ai remarqué, les gens qui dansaient là, ils étaient torse nu. Non, là, ils étaient en salle de danse. Ils sont en démonstration, si tu veux. Ah, ok. Mais non. Bah, surtout, je conseille à tout le monde de ne pas aller en boîte torse nu danser le Choki, s'il vous plaît. À partir d'une certaine heure, bien entendu. Ne faites pas comme Juliette. Oh, non. Allez, c'est ça. Bah, écoutez, les amis, là, on va accueillir Léa, qui est l'une des chroniqueuses, hein, et elle va venir nous parler des conseils santé, des astuces santé, notamment de comment reconnaître une, non. Une banane mûre. Ok, d'accord. Écoutez, elle va nous en parler, Léa, tu peux venir avec tes bananes. Coucou Léa. Coucou. Samba, Léa. Vous avez les samba comment, les bisous? Oui. Pour le coup, vu que tu as les bananes, pour le coup, on va faire ça. Voilà. Comme ça. Ouais. Allez, samba. Samba. Ouais, ça alors, les bananes, voilà. Oui, c'est comme chez toi. C'est comme chez toi. Ok. On peut les manger tout de suite ou pas?
En fait, je suis là pour vous parler de comment reconnaître une banane mûre. Ah, moi, je croyais que c'était pour nous distribuer les bananes. Après, on ne va pas manger toutes les bananes là. On ne va pas toutes les manger parce que j'aimerais vous expliquer. On vous demande de manger les fruits, les légumes par jour pour avoir une bonne santé, pour bien faire fonctionner l'organisme. Oui. Et là, comment manger un légume et comment manger une banane? Ah. Donc aujourd'hui, voilà, tu me passes un peu la banane. Je laquelle tu veux? La différence. voilà, toutes les bananes là. Ok, bon, d'accord. Voilà. Bah, pour reconnaître une bonne banane. Attention. Oui. Toutes les bananes peuvent être vertes d'abord à la base, mais quand elles jaunissent, voilà, elles peuvent être jaunes sans être mûres. Okay. Ah. Et comment faire la différence lorsque vous avez une banane, vous avez ce genre, vous allez faire ainsi. Lorsque c'est facile, enlever la banane, vous allez reconnaître que là, c'est le bon moment pour profiter de tous les sucres, de toutes les vitamines qu'on trouve dans la banane. Et c'est le même concept avec les autres? Là, c'est pour la banane. Je vais vous montrer la différence. Okay. Voilà. Okay. Et après, on va voir aussi au niveau du goût et tout. Voilà. C'est empêché ça, sûrement. C'est un peu plus doux. Voilà. Celle, elle était déjà toute seule, mais c'est pour dire qu'elle était déjà bonne. Et je te l'offre déjà. Merci, c'est gentil. Je peux commencer maintenant? Non. Okay. Attends les autres. Voilà, elle a des taches ici. C'est pour montrer qu'elle commence à mûrir. Oui. Mais comment reconnaître qu'elle est déjà prête, qu'elle arrive à maturation, c'est lorsqu'on fait ça, c'est un peu plus dur, vous voyez, que l'autre. Il faut un peu plus de force. Et là, quand vous allez prendre cette banane, vous voyez, c'est un peu collant. Et de la sève un peu. Il y a beaucoup d'amidon encore à l'intérieur. D'accord. Voilà, ça va être un peu compliqué lorsque vous ouvrez même. C'est pas tendre à la main. Et lorsque vous allez mettre dans la bouche, il y aura un petit goût d'élasticité dans la bouche. Voilà, ça va être compliqué. Alors qu'une banane mûre, pour profiter de toutes les vitamines, elle doit être tendre comme celle-là, bien tachetée. C'est pas parce qu'elle n'a pas de tache que la banane est forcément mûre. Ou bien qu'elle est jaune. Non, il faudrait attendre que la banane soit bien tachetée. Parce qu'en général, quand on achète, tendre à la main et lorsqu'elle est fondante dans la bouche. D'accord. Quand on achète, des fois, quand il y a des taches, on a souvent envie de... Ah d'accord, donc c'est là où elle a toute sa teneur. C'est là où elle a toutes ses vitamines, les trois sucres, la vitamine B8. Ah, c'est trop bien ça. D'accord, donc quand elle est vraiment molle. Voilà. Et non quand elle est rigide. Et non quand elle est rigide. Excusez-moi. Comme ça, c'est avec un peu plus d'amidon. D'accord. Vous profitez pas de tout. Je te vois venir. Non, je suis un parfait profane, je demande. Tu m'aides là donc. Comme ça, c'est là. On ne va pas les consommer. Elles ne sont pas encore mûres. Elles, d'accord. Elles, jaunes, c'est vraiment à l'inverse, quoi, finalement. Et vous pouvez même regarder le bout. C'est un peu vert, là, si la caméra peut montrer. C'est un peu vert ici. Voilà. Mais elles ne sont pas encore prêtes. Une banane doit être bien jaune, mais surtout avec des petites taches et tout autour de la banane pour reconnaître une banane douce. Ah, je comprends maintenant pourquoi en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs, ils sont super en forme parce qu'en fait, eux, ils font à l'eau. Ils font un loco avec le stress, la vitamine B, ça permet aussi de réduire le taux de sang, en fait de bien régulariser le sucre dans l'organisme et tout. Bah, manger beaucoup de bananes, les enfants. C'est pas tout que de manger un fruit, mais il faut savoir comment le consommer. Attendre que le fruit soit mûr. Et comment reconnaître une banane mûre? Comme je vous ai expliqué, c'est tendre au toucher et aussi fondante lorsqu'on la met dans la bouche. Et surtout, elle est bien jaune avec beaucoup d'épices. D'accord, il faut qu'elle soit molle, c'est bien ça. Très bien. Merci Léa. Merci Léa. Tu restes avec nous. On a un appel. Allô. Je peux la manger. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Salut. Salut, comment tu t'appelles? Salut Roger. Et tu sais comment je t'appelle? Comment tu t'appelles? Salut. Je t'appelle Cyril Hanouna. Moi, je t'appelle Cyril Hanouna. Ah bon? Ah ben c'est gentil. Mais dis-moi ton prénom. Non, mais sérieux, en fait, je sais pas, mais en fait, je fais trop penser avec la télé, c'est que la télé. C'est là mon prénom. D'accord. Alors, dis-moi, tu nous appelles d'où? Allô? De Libreville. De Libreville? Alors, tu es en vacances? Comment tu passes tes vacances? Mais je suis à la maison, moi je regarde Samba, parce que vous avez dit que ceux qui ne partent pas en vacances. Ceux qui passent pas, ceux qui partent pas en vacances, vous êtes. Est-ce que tu peux éteindre ta télé, s'il te plaît? Attends. Oui, il doit peut-être s'éloigner de sa télé. Ok, éteins la télé. Est-ce que tu as une dédicace à faire passer?
fait toute ma famille, tout le monde. Je pas magnifique. Nick, mon team. Alors, si je te dis samba. Tout le monde. Si je te dis samba. Samba. Yes. Samba. Super. Passe de bonnes vacances et n'hésite pas à nous appeler, à nous rappeler. Appelle demain, après-demain, quand tu veux. Tous les jours. Ok. Ouais. Tu es ici chez toi. Allez, on te fait de gros bisous. Voilà. On t'embrasse, appelle quand tu veux. Ok, sans problème, et je vais rappeler, c'est pas un faux, c'est quand la prochaine émission. C'est demain à 18h10. Tous les jours à 18h10, tu peux nous avoir. Ok, sans problème, je vais rappeler demain. Et du lundi au vendredi. Allez, ciao, ciao. Non, mais... Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, Denise. P-Square, ouais. Featuring. Justement, tout à l'heure, je te parlais de Shoki. Oui. Donc, ça, c'est une, on va dire, un des sons sur lesquels tu peux bien te mettre bien. Ah, d'accord. Bah, je vous laisse regarder, de toute façon, c'est... Pour les vacances, pour on se en, mettre on, bien. On en reparle ensemble. P-Square, Don Jay-Z. Ouais, le titre collabo, tout de suite. Na collabo, yeah. She wants some collabo. I can sing for you, you can sing for me, yeah. She says she wants some collabo. She need them badly, be like Tornado. She talks say how they play like Ronaldo. The thing they sweet her like Don Jesse Minado. I rock her body, give her Orlando. She just the holla, she the scream of Brigado. I saw the fire, I the call her Molato. My Molato. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want me collabo. Yeah, yeah, I go sing for you, you go sing for me. Na collabo, she wants some collabo. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want.
Merci à tous. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain dès 18h10. Merci d'avoir effectivement participé à cette émission, d'avoir été nombreux à appeler, nombreux à nous avoir envoyé vos messages. Continuez. Vous pouvez nous joindre au 02 31 77 77 ou encore sur Skype canal7@sambasamba ou encore pour finir pas la page Facebook sambasamba et voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Partageons le bonheur. Merci, à demain. Je peux manger ma banane ou pas? Attends, il faut nettoyer les mains. Non, ah mais bon, je vais nettoyer les mains. Ah bon? Je me suis infecté toujours. Bah, écoutez, nous, on mange les bananes. Hein. À demain. Okay. À demain. Samba. Non, on mange les bananes. Ok, fait. Je dois prendre laquelle? La molle ou la rigide? Non, non, c'est la rigide. Tu as pris la mauvaise. Vas-y, doucement. Non, j'y vais doucement. C'est la mauvaise, hein? Si, c'est la bonne. J'y vais doucement. Ok.